t'insulter, ma fille du soir. C'est lui qui demande aux gens de t'insulter. Ah bon? Papi tout le goulat, tu es maudit, hein? Papi tout le goulat, monsieur l'éjaculateur précoce international, c'est des mains. Tout ment. Il éjacule. Ah, d'accord. C'est toi qui dis aux gens d'insulter ta maman. Parce que c'est dans ça que tu gagnes ton amour. J'avais entendu ça dans la bouche d'une dame, mais j'ai cru que la personne mentait. Effectivement, il remarquait quand on commence à insulter sa maman sur la toile, il commence à avoir de rien. Sa gloire commence à monter d'une manière. Est-ce que vous avez remarqué ça? Oui ou non? Non, parlons vrai. Oui, remarquez. En fait, quand on commence à laver sa maman sur la toile là, le petit là commence à avoir du succès. Si c'est ton amour là, c'est pas grave. Si c'est pas pour tuer quelqu'un, en tout cas, si tu veux qu'on insulte ta maman, les gens qui vont insulter l'intimité de ta maman là, tu vas avoir gloire. Moi, je vais pas insulter ton intimité, je vais lui dire son vrai nom dans la paix du Seigneur. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Hi. Où est ma vidéo? Non, c'est quelle sorcellerie ça a ta main? Aussi, c'est parti. Vous n'avez jamais. Lui, c'est moi j'ai dit ça. Elle assume. C'est toi. Lui, c'est moi j'ai pas au fond de sur Facebook. Lui, c'est moi j'ai dit ça. C'est dans ta prostitution, là, dans tes trouveries, là, dans tes projets de vouloir faire tes théâtres à deux balles, et puis les producteurs, les réalisateurs couchent avec toi pour te donner les petits rôles de bas, les rôles de n'importe quoi. Là. Parce que tu n'as jamais eu le bon, on te baise cadeau. On t'a baisé cadeau. On peut finir de dire ça à une maman, à une personne. C'est moi, j'ai dit ça. Et puis on a mis. Parce qu'une femme qu'on ne baisse pas gratuitement, elle ne peut pas soulever le nom de quelqu'un pour coller sur elle. Moi, je ne suis pas mariée, là, mais quand l'école de mon enfant m'appelle, on dit à l'homme, Madame Kanté. Oui, moi, je ne suis pas mariée, mais quand l'école de mon enfant m'appelle, ou bien à Pémi, ou bien, je ne sais pas, quand on m'appelle, on dit à l'homme, Madame Kanté, moi, je ne suis pas mariée. En Côte d'Ivoire, depuis quand on appelle quelqu'un, on appelle la personne masculine. Tu n'es pas mariée, tu dois soulever le nom de monsieur pour coller sur toi. Tu n'es pas marié, tu danses sur le nom de monsieur comme ça, c'est qu'un prostitute comme ça. Et puis toi-même, ton bâtard de fils qui vient s'asseoir sur Facebook pour ouvrir sa large bouche là, pour dire aux gens qu'on est en train de s'occuper de nos foyers. Toi-même, tu es sur Facebook, tu ne veux pas s'occuper de ton foyer aussi. Toi-même, tu cherches quoi sur Facebook? Je n'ai jamais écouté le théâtre, c'est sur Facebook. Le cinéma, c'est sur Facebook. Toi-même, tu ne veux pas t'occuper de ton foyer. Oublie ton bâtard. Je vous jure, aujourd'hui, j'écoute la vidéo là. Vraiment, les testicules de ton mari que tu appelles mari là. Les testicules du monsieur que tu as soulevé son nom pour mettre sur ton nom pour dire que c'est ton nom là. Menteuse. Tu veux pas lui gratter ses testicules? Je sais que vous dites quoi? Comment une vieille femme comme ça, une grosse femme comme ça, vous faites vite, tu as commencé à maigrir, hein? Sinon tu commences à dépasser le poids normal. Tu as une grosse femme comme ça. Tu vas venir faire vidéo, tu vas te mettre sur les réseaux sociaux et puis tu vas faire. Genre, nous on n'a pas fait ça. Nous on n'a pas fait ça. Comment on fait TikTok? On n'a pas fait ça. Non, c'est récent, même. Mais TikTok est sorti en quelle année? En 2000, non? C'est ça, on dit qu'il représente la Côte d'Ivoire. Tu connais pas. C'est ça là, quand on t'appelle une représentante de Côte d'Ivoire, c'est ça. En 2021, non? Tu sais pas. Une vieille caracasse comme ça, ton visage gonflé, quand ils ont pompé pour l'ombre de ton visage là. C'est moi qui dis ça. Parce que ce bâtard que tu nous as fabriqué là, ce bâtard que tu as soulevé, que tu avais déposé sur Facebook là, fallait l'élever d'abord. Oui, l'élever puis l'éduquer, lui donner une bonne éducation. Mais toi, tu es passé à l'élévation simple. Tu es passé à l'élevage simple. Mais ça, c'est plus grand que Pouyaka. En 2000. Tu n'as très mal éduqué. 2020. Tu es impoli vis-à-vis de toi. Parce que quand tu lui parles, tu ne sais pas, il faut. C'est en 2020 à côté. C'est lui qui demande aux gens de t'insulter. Lui-même se bataille. Il ne peut pas faire marier. Toi-même, tu parles. Toi-même, tu dois ramasser les mensonges pour mettre sur les gens. Hein? Tu transposes ta vie comme ta sale pute là. Ta vie là. C'est comme ta sale pute là. Tu dois bon? Ramasser sa vie pour mettre sur moi. Je suis venu par bateau. Je suis pute. Je suis ceci là. C'est pas toi-même que tu couches dans le mur. C'est pas toi qui couches avec une femme mariée. Toi, tu penses que nous, on n'a pas tes papos. Toi, tu ne couches pas une femme mariée dans le lard. Tu penses que je ne sais pas. Je n'entends rien. Tu es venu mentir, tu es allé soulever. Vous êtes des menteurs de votre famille. Hein. Vous êtes des gros menteurs. Tu dis quoi?
Ok. Non, faut couper. Il n'a qu'à enlever ce qu'il a laissé devant là. Hein? Il n'a qu'à enlever beaucoup. Hein? Tu l'as expliqué ça, non? Excusez-moi. Hey, Allah, je l'ai bien dit, Tichena. Fais vite. Qui t'a dit 15 euros? Il est malade. Qui t'a dit que 15 euros? Tu ne payes pas pour 15 euros. Non, tu ne payes pas, hein, c'est cadeau, ça ne va pas, non. On a payé 15 euros, on dit de l'arranger, tu as payé 15 euros. Tu ne payes rien, tu as compris? Ben oui, qu'est-ce que? Pour enlever chez lui, il a laissé beaucoup de choses. On dit de tuer, tu dis de payer 15 euros encore, ça ne va pas ou quoi? Faut me les passer là-bas, ouais. Faut pas y aller descendre là-bas tout de suite avec des malades ou ouais, quoi? Faut me les passer! Carrément! Je dis, je ne paye rien. Tu utilises ma carte bancaire là-bas. Viens descendre là-bas tout de suite là. 5 francs, tu ne payes plus. Tu as compris? Tu as compris? Il a dit, il n'a même pas intérêt à dire quelque chose même. C'est toi, tu veux demander 15 euros. Quel 15 euros? On ne paye rien. Allô? J'ai dit de diminuer un peu, cheveux de devant là, c'est trop beaucoup, il faut diminuer en fait. Tu as laissé beaucoup de cheveux en fait. Les cheveux de devant là, il faut diminuer un peu, c'est trop beaucoup. Il faut diminuer. Payez quoi plus encore? On a payé 15 euros tout à l'heure, les cheveux sont beaucoup, on dit de diminuer, vous voulez que je paye encore? Qu'est-ce qu'il y a même? Pourquoi vous voulez que je paye encore? Il faut juste diminuer les cheveux. Ah, en tout cas, tu payes pas ce type, tu n'utilises pas ma carte, tu as compris, non? Ça va rien coûter, le bien dans ce qu'il y a là. Alors, tu as intérêt carrément. Tu utilises ma carte, là, viens vérifier ici. 5 francs, on ne paye plus. Faut me laisser faire mon direct, Kisha même. Regardez. Oh. Moi, il ramasse l'argent, non? Les riches, là, vous les connaissez. Moi, il dit qu'il n'a pas l'argent. Il m'habille dans le gouyou. On paye 15 euros tout de suite pour coiffer les cheveux d'enfant. Pour coiffer ses cheveux. Devant, il a laissé beaucoup. Parce que lui, ses cheveux poussent très vite. On dit de diminuer. Et puis, elle va demander au monsieur, ça va coûter combien? Jean, ça m'a trop l'argent, quoi. Pardon, vous me mettez à côté, s'il n'est rien. Il me cherche. Mon mari ne vient pas de la loyauté comme Cendrillon de Zangien. C'est un footballeur qui se débrouille. Oui, oui, oui. Menteur. Voilà. Vous êtes des menteurs. On a partagé ce direct à la femme. On a partagé. Vous, quand même, on a supprimé. On a retrouvé. Tu vas nous montrer que tu as donné une éducation à ton enfant. Ah. Parce que tu l'as pas éduqué, tu l'as élevé. Hein? Parce que quand tu as pris grossesse ça pour coller le monsieur là. Hein? Tu as pris grossesse ça pour coller le monsieur. C'est les injures comme ça que tes gens que tu as mis sur Facebook là. C'est les injures comme ça ils partagent aux gens. Que les femmes prennent grossesse pour coller le monsieur. Pour coller pour avoir là, bon, c'est ça que tu as fait. Oui, parce que c'est ce qu'ils vivent là. Mm-hmm. C'est l'image qu'ils voient matin et soir. C'est ça qu'ils reproduisent. Lui, c'est ça qu'il fait lui-même. Mais... Sur toi, allez prendre une grosse pour coller le monsieur qui t'a pas marié, puis t'as soulevé son nom pour mettre sur toi. Mm-hmm. Pour coller le monsieur là, c'est parce que il a vu l'exemple de sa mère. C'est pour ça qu'il pense que toutes les femmes sont comme ça. C'est pour ça qu'il pense que toutes les femmes sont comme ça. Je suis dépassé, moi. Je n'ai jamais écouté cette vidéo-là. C'est pour ça qu'il pense que toutes les femmes sont comme ça. Parce que c'est l'image que tu l'as montré. La prostitution, la puterie, oui. Prendre le masque, aller coucher avec elle pour faire enfant, pour prendre l'enfant, pour avoir mari, pour venir mentir quand c'est mon nom qui est là. Sale menteuse, c'est moi et puis j'ai dit ça. Et puis je te dis ça de la part de ton fils. C'est lui qui m'a envoyé pour venir te faire cette commission-là. Je suis commissionné par lui pour te dire ça. Oui, c'est quand je suis en train de dire ça, considère que ça sort de sa propre bouche.
Il dit ça sort de sa propre bouche. C'est mon affaire de coiffure là qui te fait. Un gros d'accord comme ça, quelqu'un gros comme ça, tu as les rondeurs. Tu as sein, tu as fesses. Tu as les rondeurs. Comment une femme peut venir sortir avec quelqu'un qui a même forme qu'elle? T'as pas de problème avec ça. Comment un homme peut venir sortir avec une femme qui n'a pas de grandeur? Comment? C'est ton gars de bordeaux là comme ça. Maintenant, moi je change ça. Comment une femme aussi peut aller sortir avec un homme qui a de rondeur? Donc elle veut dire qu'elle est sortie avec des bordeaux. Ah non, parlons. C'est pourquoi des bordeaux même n'a pas de respect pour Gola, hein? Non, sérieux. Attendez. Et si plus qu'elle malade, tu peux même pas dire mal. Ah oui. Tu es avec un homme qui a de rondeur. Tu ne peux pas le sortir. Et si plus qu'elle malade, tu peux pas dire mal. Il pense malade. Quand vous commencez, il est mis pour vous donner de la paix du Seigneur. Oui, parce que c'est ce qu'ils vivent là. C'est l'image qu'ils voient le matin, midi, soir. C'est ça qu'ils reproduisent. Lui, si tu n'avais pas vu toi, aller prendre une grossesse pour coller le monsieur qui t'a pas marié. Ça fit. Il m'est fatigué pour mettre fit même pour comment. Il y a ici la belle. Pour coller le monsieur, c'est parce qu'il a vu l'exemple de sa mère. C'est pour ça qu'il pense que toutes les femmes sont comme ça. C'est pour ça qu'ils pensent que toutes les femmes sont comme ça. Parce que c'est l'image que tu as montrée. La prostitution, la puterie, oui. Prendre du mal, aller coucher avec quelqu'un pour faire enfant, pour prendre enfant, pour avoir mari, pour venir mentir que c'est mon nom qui est là. Sale menteuse, c'est moi et vie, j'ai dit ça. Elle assume. Non, c'est moi, elle assume. La même femme, elle s'appelle. C'est lui qui m'a envoyé pour venir te faire cette commission. Aïe, oui. Je suis commissionné par lui. Aïe, t'as la tata. Oui, c'est quand je suis en train de dire ça. Il y a mon papi, tu le voudras qui vient, attendez. Oui, ça sort de sa propre bouche. Eh Seigneur. Un bon d'accord comme ça, quelqu'un gros comme ça, tu as les rondeurs. Tu as sein, tu as fesses. Tu as les rondeurs. Comment une femme peut venir sortir avec quelqu'un qui a même forme qu'elle? T'as pas de problème avec ça. Comment un homme peut venir sortir avec une femme qui n'a pas de grandeur? Comment? C'est ton gars de bordeaux là qui a dit ça. Maintenant, moi je. C'est ton gars de bordeaux là qui a dit ça. Debo, mon Mimi. Non. Debo, tu vas nous dire ça. Tu vas nous dire pourquoi tu as dû rentrer sur vous là comme ça. Et puis tu crains rien, tu es serré. Et c'est plus que malade. Ah, Debo, tu vas nous expliquer la partie là. Mon Mimi. Non, tu vas nous expliquer la partie là. Je pense que c'est pour la bouche. Toi, il reste bloqué là-bas. Faut le bloquer vite. On va passer dans la. On va passer à la dalle. On va passer vite. On est sûr que ça glisse, mais je suis bien assise comme ça. Ah, l'attention. C'est moi qui vous ai dit qu'il y avait l'éducation. Ah, elle dit qu'elle n'a pas reçu d'éducation. Pardonnez. Hier, raté, j'ai loupé, j'ai cimenté, j'ai bétonné. Ah, j'ai raté. C'est sa pute là, de bleu. Oui, maillé. Mais si elle est pas venue, je vais t'attendre. Ma boutade. Oui. C'est toi. C'est toi. Parce que depuis tout ce qui se passe sur la toile, là, tu vois très bien. Mais comme tu profites. Oui, pardonnez, excusez-moi. Comme tu profites. Oui, tu profites des vies de ton fils. Oui, c'est ça que les gens savent. Oui, parce que tu veux te faire connaître. Parce que les gens te connaissent. Ah, d'accord. Parce que personne ne te connaissait. Ah, d'accord. Personne ne te connaissait. C'est ça qui est la vérité. C'est quand ton bandit de fils là s'est retrouvé sur Facebook là. C'est là les gens commençaient à chercher t'étais qui. Et puis on commençait à te regarder. Ça, si c'est vrai. Personne ne te connaissait. C'est que ceux qui regardaient, faut pas fâcher. Qui fait ça là? C'est eux qui te voyaient. Sinon personne ne te connaissait. Donc tu encourages ton fils à faire ces bêtises là. Tu encourages ton fils dans cette sottise là pour te faire connaître toi, pour avoir une visibilité sur la toile. Ah tiens, elle a fracassé le but à dire même que yaka c'est non de yaka qui est gâté. C'est la vérité. Tu es ton, c'est toi qui envoies ton fils pour venir faire des bêtises. Ça dit elle a récupéré les deux. Tu ne peux pas insulter là. C'est ça que tu dis à ton fils, n'a pas venu insulter. Tu te fais passer pour une belle. Tu te fais passer parce que tu fais les snaps, tu fais les TikTok, tu fais les. C'est pas ça, c'est comme modèle ça même. C'est un modèle. Partagez. Tout le monde doit écouter ça. C'est important. Elle a commencé, je t'ai mis pour donner. Je force, je vais forcer jusqu'à ça va rentrer. Je vais forcer jusqu'à ça va rentrer. Je vais me répéter jusqu'à ça va rentrer. Parce que ça doit rentrer. Trop, c'est trop.
Trop, c'est trop. Le gars même, c'est toi, tu viens t'asseoir pour te défendre. Lui, il a besoin de toi pour être défendu. Est-ce qu'il a besoin de toi pour être défendu? Pourquoi lui-même, il ne pas se salir les mains? Puis c'est toi, le bâtard, il envoie pour venir t'asseoir sur Facebook. Elle était un rondeur de femme là. C'est une femme qui ne se connaît pas qui va le sortir avec une autre femme comme toi pour être lesbienne. Mais c'est une femme qui ne se connaît pas. Mais je ne sais pas, c'est pas un garçon, c'est une femme. C'est pas un garçon, il a des rondeurs. Oui, il a les seins, c'est vrai. Il attache maintenant. Comment une femme peut aller sortir avec un homme qui a des rondeurs? Voilà, son fils est sur les réseaux sociaux. Ça fait combien de temps on parle, elle ne comprend pas. Ça fait combien de temps on parle, elle ne comprend pas. Mais si c'est pour porter plainte, elle est pressée pour aller porter plainte. Faut porter plainte avant de quelqu'un dire. On va te rappeler des photos qu'on voit. Elle est très impolie, elle est très dévergondée cette femme. C'est moi qui dis ça. Viens t'asseoir encore. Et puis tu insultes maman. Oui, viens t'asseoir, tu vas insulter maman des gens encore. Tu ne sais pas, tu ne sais pas. Nous tous, on est déjà gâtés. On est déjà gâtés. Moi, je n'ai jamais dit ça à chocolat. Je ne suis pas bonne. J'ai dit depuis le début que je suis pas bonne. Je ne suis pas bonne du tout. Voilà, donc je ne cherche pas. Les gens n'ont pas dit non, c'est vrai, les dix. Je ne suis pas bonne. Je suis très mauvais. Tu n'as pas porté plainte. Dans ta récit unique, les gens me font. Depuis mon me connaît mon quartier, que je suis un pourri jusqu'à l'apparence. Il ne faut pas me provoquer, il faut mettre en marché sur mon pied petit. Tout le monde sait de mon capacité, que je suis impoli, ma bouche là, ça fait, ça s'était pas. Hein? Moi, je ne suis pas comme vous. Vous passez votre temps à mentir sur les réseaux sociaux, moi je ne comprends pas. Ils sont mauvaises même, très mauvaises même. Quand une femme est mauvaise là, c'est moi. Je ne suis pas innocente, je suis coupable. Hein? Ah. Racontez ce que vous avez envie de raconter. Je n'ai rien à foutre. Je n'ai pas un bon comportement, je n'ai pas un bon caractère, je n'ai pas un bon ceci, je n'ai rien à foutre. Hein? Je n'ai rien à foutre. Oui, je suis fière d'être impolie. C'est moi qui dis ça. N'importe quoi. Vous n'avez rien à dire sur les réseaux sociaux. Vous allez vous asseyez là pour raconter n'importe quoi. Vous vous asseyez là pour raconter n'importe quoi. Non, franchement, tu as insulté. Ah, impoli, impoli. C'est moi, j'ai cru ça. Impoli, impoli est bon. Quelqu'un se bat avec des armes, tu utilises des armes contre lui. Tu peux pas. Moi, je vous rappelle. Tu peux pas aller. Elle a commencé à être mise pour donner, mais moi, je vais jamais dire ça. On, je sais pas moi. On s'assied pour venir caresser la personne. Hein? On caresse pas quelqu'un qui est impoli. La personne te tape, tu le tapes brûlé. Il est impoli, son fils. C'est comme ça, ça. Il a éjaculation, mais il est pas trop duré. Si, si, si. Il est pas trop duré. Il est impoli, il respecte pas les gens. Voilà. Il se prend trop. Donc, va dire à ta mère. Moi-même, je ne transpire pas grâce. Ok, vas-y. Qui a plein de graisse sur son visage. Son visage qui est rempli de graisse, qui est gondolé. Elle n'a qu'à aller faire d'abord un soin de visage. D'abord, c'est moi qui dis ça. Faut lui donner tellement beaucoup d'argent que tu as ici, que tu t'assois, tu fais beaucoup, que tu travailles, tu fais ceci, tu fais cela. Faut lui donner. Faut l'envoyer dans l'institut de ta copine qui habite là. Ils vont aller faire une nettoyage. Institut de ta copine qui habite là. Faut l'envoyer. C'est malolo, mais t'es. Maintenant, quand tu l'accompagnes là-bas, tu lui dis, elle n'a qu'à arrêter sa prostitution qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Ah bon, elle n'a qu'à arrêter ça. Ah bon, elle n'a qu'à les choses, c'est des testicules de son mari. Ah d'accord. Elle aussi, elle est un mari. Pourquoi elle ne passe pas s'asseoir pour s'occuper des testicules de son mari? Ou bien son mari, là, il ne bande pas. Ah, question. Ou bien son mari, là, c'est un zozo. Ah, bien oui. Ou bien elle a bassé le gars. Ah, c'est pas sorti de ma bouche, pète. Elle a bassé le gars. Je sais pas. Elle aussi ne veut pas laisser s'occuper des testicules de son mari qui est devenu s'asseoir sur Facebook. Question. Question. Tu rappelles que c'est famille. Vous êtes en famille sur Facebook. Vous pouvez arriver au cas de famille. Nous aussi, on est en famille. Nous aussi, on est en famille. Monica Zed, une batteuse, c'est ma tante. Vous pouvez en avoir avec cette femme-là. Elle sera pas de famille sur Facebook. Ayawa. Voilà. C'est comme ça, ça y est. Ah, d'accord. Donc, c'est ce que je vais dire. Voilà. Demain, là, tu sors, je sors. On va faire le cassement des papos. On va faire le cassement des papos. Mais vous avez commencé avant moi. Maintenant, c'est maintenant moi, il est dedans. Donc, laissez-moi casser mes papos. Qu'est-ce qu'il y a venu faire vidéo pour me dire de me calmer, de me faire quoi? Vous avez fait pour vous. Je ne vous ai jamais dit d'arrêter. Donc, laissez-moi faire mon cassement des papos. Parce que ta vieille goûte est quelqu'un de mauvais en France. Tu connais très bien son mari. Et tout, c'est pas moi, j'ai dit. Papi, tous les gros là, qu'est quoi? Papi, t'es le gros là, tu couchais avec une femme qui vaut ta maman. Hé, papi, tous les gros là!
Qu'est-ce qu'il y a, petit? Ton kiki là, on ne peut pas rester tranquille dans ton caleçon. Donc toi, tu es venu à Benghazi pour coucher avec les vieilles femmes, quoi. Même si on dit que Macron a ouvert la balle, ouais, le bal là, faut faire doucement, petit. Faut faire doucement. Donc toi, tu es venu ici pour coucher avec les vieilles femmes. Ça, c'est pas un problème. Hein? Ah, elle dit qu'elle a la vidéo de Sade. Ah, donc vous êtes des hypocrites qui vous suivent. C'est le nom de Kadi qui est gâté. Mais moi, j'assume. Tu es un Facebookman qui est connu, qui a fait direct à parler de ça. Il n'a pas dit ton nom. Mais moi, je sais très bien que c'est de toi qu'il parle. Parce qu'on connaît, on se connaît sur Facebook là. On est dans un groupe ensemble. Oui, mais un groupe WhatsApp là, on est dedans ensemble. Donc là, on connaît la vie des autres. Donc toi, je connais ta vie. Et puis, je les preuve à la pluie. Il y a des captures de cran. Fa-fa. Nous tous, on fait castellement des papos. La femme, tu mourras là. Hein? La femme qui t'entretient en France là. Hein? Gigolo, la femme qui t'entretient en France. Papi, tu le voulais. La femme qui a payé. En tout cas, la femme qui s'occupe de toi actuellement en France et puis tu as bouche pour parler, tu dois payer les vêtements pour venir t'arrêter comme un crabe pour tirer une photo là. C'est une femme mariée. Je t'apprends à rien. Tu le sais. Ça, c'est pas bon, hein, papi. Donc, les castements n'est pas possible. Ça, c'est pas bon, hein. Les hommes qui couchent avec les femmes mariées. Elle va venir s'occuper de toi. Je fais ton éducation. Je vais mal finir. Parce que tu es passé à l'élevage. Mais toi, tu as été élevé. Non, parlons de parlons vrai. Tu as abandonné pour aller coucher avec les gens sur les plateaux de télé, hein, dans les couloirs. Oui, dans les couloirs des studios. Hein, dans les toilettes publiques. Hein, c'est là-bas ils vont mourir. Gonflé quand elle est là. Pas ta modélée qu'ils ont modélé pour te poser là. Hein, c'est comme ça c'était. Ah, Abrajouya. 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 On peut l'insulter. C'est pas bien ton débat. Le bas là même n'est pas bon. On peut insulter maman qui sont grand frère comme ça. Et puis c'est zozo. Je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné. Je vous ai dit que je suis un hypocrite. On dit dans la soupe là. Vous pensez qu'il est en train d'amuser. Vous pensez que les éléments qu'on a en face là, c'est des. Donc on doit rire eux. Donc, ils vont insulter, j'ai plus demandé ça soit. Non, mais pas rien à eux. Moi, je ne veux pas à eux, mais de toute façon, toi, tu es insulté là. Non, je ne peux pas insulter comme ça, non, c'est pas possible. Mon éducation ne me permet pas d'insulter comme ça. On va tout respirer avec eux. J'ai dit, on va dégager nous tous de Facebook. Nous tous là, on va nous chasser de Facebook. Nous tous là, on va nous bannir de Facebook. Nous tous, on exagère. Nous tous, on exagère. Voilà. On est même chose. Nous on est pourris. Oh oh oh. Les grands frères, les petites sœurs, les cousines, les tantes, les quoi. Voilà pour Kamel, Sama et puis Emma ici. On est assis partout, on regarde. Ils se sont soulevés deux jours ici à métier par flottage. Voilà ça. Je suis seule, je vais toujours marcher seule. Il y a ma maman qui est à Paris. Et ma grand sœur qui est à Paris. Je vous claque le bijou de votre débat depuis là-bas. Oui! Chantou, chantoulé. Ma maman t'a même dit sage. Hey! Hey! Ah, dama! On peut se faire ça.
ça chauffe pas. Il veut voir ton gladiateur là. Ton gladiateur là, je veux voir ça. C'est pas dans la bouche, je veux voir ça en réalité. Hein? Oui. Je veux voir ça en réalité. Ton gladiateur là, je veux sentir ça. Quand tu es malade, Facebook là c'est pour vous. Non, vous c'est pas pour vous. Non. On va nous dégager, nous tous. Ah, vous devez dégager, vous devez banner ni faire. Non, vous allez avoir overdose de clash. Oui. Ça va être ça. Il va rendre un service à la nation. On va nous nettoyer, on va nous balayer, nous tous. Il va rendre un service à la nation. Oui, ça. Et puis tu es fier. N'importe quoi. Tu insultes ma maman, j'insulte ta maman. Elle là, je la considère comme ma maman. C'est ma personne. De toute façon, quand tu dis ton général là, c'est ta personne. Moi aussi, c'est ma personne qui est là. Voilà. Et puis je vais me salir pour elle. De toute façon, tu te salis pour elle. Je vais me salir pour elle. Je vais me tâcher pour elle. Je vais me parler de la pour moi. Oui. Parce que je vais te parler de la femme là pour même pour te donner. Ton bar vient. Hey! Quoi? Là, il y a beaucoup de choses. Là, il y a une lettre. Une lettre? Une lettre. Va prendre ma clé alors. Quand bouge ça, je vais passer une lettre. Dylan! Une lettre quand même. Dylan! Viens, prends ça, tu mets ça dans mon sac. Oui, exagère, Rebecca. J'exagère trop. Oui, quand quelqu'un exagère, il faut exagérer aussi. Quand la Côte d'Ivoire a lancé une missile, puis c'est parti tomber sur le camp. Quand ça a tombé sur le camp. Non, non, il est taillé. Et puis ils ont bombardé là. Quand la France a répliqué, elle a exagéré. Bon, faut pas provoquer. Faut pas chercher. Quoi? Parce que la magie de tes coups ne seront pas proportionnels à la mesure des coups de ton mari. Faut pas chercher. Va prendre les tâches. Parce que tu cherches tout. Si tu te vois vers les huit, si tu te vas au village de si je savais. Ouais, Dylan. Dylan, tu faisais quoi depuis là dans ma chambre? Parce que lui, il faut mon poisson au diable, mais je l'ai comme ça. Hein? Tu faisais quoi dans ma chambre? Mais attends, il y a un chamouflé. C'est ça qui a fait un podcast où les un gars là-bas, on ne sait pas où, tu l'as appelé, faut appeler dans Dieu, faut dire c'est là. Lui aussi, combien de moutons il appelle dans Dieu, vous parlez toujours, vous dites que je n'ai pas de preuves. Moi, je suis parti sur la page de ta mère. Je l'ai merci vu. Beaucoup, Astrid. Je l'ai vu, elle n'a pas d'alliance, elle n'est pas mariée. Non, je l'ai vu, moi, je n'ai pas la preuve. Tu verses dans ma demande. Les preuves sont vérifiables. Oui, mes preuves sont vérifiables. Elle a fait une vidéo pour dire qu'elle a la journée sainte. Bon, si c'est pas un garçon les deux sujets sur Facebook là, on va foutre quoi avec ces signes? On va foutre quoi avec ces signes? On fait son modèle de signes, on va foutre quoi avec ça? Si c'est pas un garçon les deux sujets, si elle ne pas allée s'occuper de testicules de son mari, parce qu'elle est sur Facebook, tous les jours elle se fait dedans, son mari est le beau, on ne peut pas parler politique, elle n'a pas été faite dedans, elle a fait s'asseoir pour s'occuper. Elle a fait s'asseoir pour s'occuper de lui. Vous ne pouvez pas vous plus donner ce conseil là, c'est à aux autres vous donner ce conseil là. Quand vous nous dites à nous, on n'a qu'à s'occuper de nos maris, on n'a qu'à s'occuper de nos enfants, vous ne pouvez pas lui dire aussi. Sinon, elle l'a comprenait sur Facebook. Elle l'a attaché sur Facebook. Elle aussi, elle n'a pas une vie à aller s'occuper. Oui, nous, bonjour, Dino de Kadi, comment tu vas? Son mari, là, il a quoi aussi? Il a quoi aussi? Dis-moi, il y a éjaculation précoce, il y a quoi aussi? Il va la marier. Il y a faiblesse sexuelle, il y a développement. Bécile, va. Venez encore, vous allez insulter. Venez encore. Menteur, sale menteur. Tu n'as aucune preuve, tu viens t'asseoir, tu mens comme ça sur les réseaux sociaux. Mes éléments sont à l'écoute. Ta mère, ton comportement est flagrant sur les réseaux sociaux. On la voit matin une histoire. On la voit matin une histoire sur les réseaux sociaux. Et il n'y a pas de mari à côté d'elle. Elle veut boulot menteur. Comme toi, un boulot menteur. Venir faire sortir carte d'identité française mensonge. Où ils ont mis ton nom et puis ta photo là, tu peux pas montrer ça. C'est interdit de montrer ça.
Menteur, vous êtes des gros menteurs, hein? Elle t'a transmis le mensonge dans les gènes. Oui, tu es né menteur et tu as grandi menteur comme ta sale mère de poufiasse de pute. C'est moi qui dis ça. Elle aussi, elle va avoir ses règles, comme pour Monica Zen. Elle aussi, elle va avoir ses règles. Je vais lui donner ses règles là aussi. Imbécile, sale chien. Oh! J'ai loupé. J'ai loupé. Elle dit elle a loupé la bord. Donc si ça reprend, elle va reprendre. Donc c'est quelle histoire de pardon demandé? Comment tu peux mettre imbécile, hein? Imbécile. Donc c'est quel pardon on parle là? C'est de quel pardon on parle là? Hein? C'est quel pardon? Regardez Désiré Duna. Pitié, laisse la dame. Son fils exagère. C'est vrai. Tu peux insulter. Tu peux l'insulter, lui, mais pas sa mère. Car elle n'a rien fait. Ah, donc elle lui insulte Monica Zen le matin. Elle lui a fait quelque chose. Ah. Elle lui a fait quelque chose. Les donneurs de leçons sur la toile là. Oui, les donneurs de leçons là. Vous étiez où quand ça là s'est passé? Vous étiez où? Non, parlons peu, parlons vrai. Les données des leçons là. Vous étiez où quand ça là s'est passé? Vous pensez que vous avez supprimé Facebook quoi? Hey. Que Monica Zen de Mato, c'est ma personne. Je la considère comme ma maman. Demandez-moi si je n'ai pas la Monica Zen de Mato. C'est quoi que je n'ai pas compris dans ce que je suis en train de raconter? Qu'est-ce que je n'ai pas compris dans ce que je suis en train de raconter? Qu'est-ce que tu n'as pas compris dans ce que je suis en train de raconter? Quand il est exagéré, on n'a pas l'insulté lui. On va l'insulter lui pour quoi? C'est un comportement d'exagération qui est. Moi, je vais les c'est qui qui lui a donné une aussi mauvaise éducation jusqu'à va mettre sa force sur la porte pour insulter les femmes, jusqu'à insulter, jusqu'à ce qu'il sorte de sa bouche le mot règle. Il n'a pas de tabou. Jusqu'à ce qu'il sorte de sa bouche le mot règle. C'est qui lui a donné cette éducation-là? Sa mère ne lui a pas dit qu'on ne peut pas venir insulter une femme pour dire qu'on ne peut pas sortir le mot règle de ta bouche. Sa mère ne lui a pas donné ce conseil-là. Sa mère ne lui a pas éduqué. Elle ne lui a pas donné des bases. Elle ne lui a pas donné la sagesse. Elle ne lui a pas enseigné le respect. Elle ne lui a pas enseigné le savoir-vivre. On est venu lui dire qu'elle a manqué. Elle a manqué grave à force d'aller se prostituer sur les plateaux télé pour faire les second rôle, les rôles à deux balles. Elle a manqué, elle aurait dû rester à côté de son mari pour s'occuper de son gosse. Elle allait se balader sur les plateaux télé comme on l'a dit matin, midi, soir. Ça fout là. Les patrons sont beaucoup. Je garde pour aujourd'hui. Oh, pour nous, Badili. Je vais garder. Et puis, si je sors. Voilà. Tu sors, je l'insulte pour moi, ça va pas qu'il passe, ça chauffe pas. Décide, toi, tu vas te permettre d'insulter la commande des autres, et toi, tu vas menacer les autres pour qu'on va insulter ta maman. Tu penses que tu es vrai qui? Tu penses que qui a peur de toi? Décide, tu penses que tu es impoli, là, nous tous sommes impolis. Moi-même, ici, doublement impoli. Je suis mal élevé, mal éduqué, mal positionné. C'est moi qui ai dit ça. Décide, va. Une femme va faire 9 mois pour te mettre au monde. Il est calamar bijan. C'est ce qu'un manque d'éducation. Une femme va te porter dans son sein pendant 9 mois. Tu vas sortir et puis tu vas venir t'asseoir pour insulter une femme jusqu'à ses règles. Espèce de femme bâtard. C'est fini. Ah, en tout cas, tu as fait propre. En tout cas, l'enfant l'a fait propre. Adama, on va écouter pour son grand frère. Eh, hey, Gaoulare. Même quand j'étais prête. Donc, pour moi, c'est sympa.
Nido de Kadi, tu m'avais envoyé ça, non? Ou parti tout le gros là, insulté et répondu à chose à cette pèse là. Où ça aimait? Où est cette vidéo là même? Oh. Voilà, c'est bon, je l'ai. Je vais transférer sur le téléphone. Attendez. Voilà. Venez vous asseoir. Aujourd'hui, je ne parle pas trop. Je ne peux commencer mon direct ici ce soir sans dire merci à mon parrain. Fabrice Savoyon. Je dis aussi merci aussi à un homme, un cœur généreux qui me suit, qui me protège, qui est avec moi, qui me soutient, qui est toujours près de moi. Il faut nous épargner de tes invitations. Parce que comme de la même manière que ce n'est pas ma maman qui m'a envoyé sur les réseaux sociaux. C'est de cette même manière que ce n'est pas ta maman qui t'a envoyé sur les réseaux sociaux. Donc venir l'insulter parce que toi tu insultais ma maman, c'est manquer du respect à cette pauvre femme. Qui subit beaucoup de choses auprès de toi. Tu ne t'as pas envoyé sur les réseaux sociaux, mais qu'on brûle. Tu as vu comment il est malhonnête. Je ne peux pas venir le chuter. À cause du respect de ma mère. Raison pour laquelle. Toi, tu n'as pas de respect pour ta mère. Hey. Ma mère, tu as chuté ma maman. Mais aujourd'hui, attendez, je vais retirer le téléphone. Tu n'as pas de respect pour ta mère. Sinon, là, tu n'arrives pas à insulter les femmes. Hein? Attendez, je vais retirer le téléphone. Tu as insulté. Attendez, je suis en train de montrer à quoi. Regardez, bouche de quelqu'un qui me suit matin, midi, soir. Attends, Milano. Comment au 21e siècle aujourd'hui où nous sommes là, une femme peut avoir des dents comme cela là. Tu es en France, ça fait 8 ans que tu es en France. Ça fait 8 ans que tu es en France. Mais regarde, bouche que tu as en France. Attends, j'ai peur même de boire mon yaourt. Tout est pourri. Oui. Oh, tu ne sais même pas qu'à Caen, une ville, Caen, qui est en France ici, bouche qui est en France ici là, bouche ça là. En vente dans des morts à Caen là-bas. À Caen là, tu t'en vas dans des morts là. Tu vas juste avec une ordonnance seulement d'un médecin. En disant, dans la cadeau, dans des morts, c'est cadeau. Qui va payer dans des morts? En dans sa cadeau, tu vas remplir ta bouche là. Ta bouche qui est vide, tout est pourri dedans là. Tu ne peux même pas te brosser. C'est quand tu viens nous insulter matin, midi, soir. Depuis que tu es né jusqu'aujourd'hui, tu as 35 ans, tu ne t'es jamais brossé. Même tête. Je ne vais pas prononcer le nom de tes jolis enfants dedans. Parce que tes enfants n'ont rien à voir dedans. Des jolis enfants, donc je ne peux même pas les prononcer parce que c'est des enfants, ils sont bénis sur la terre ici. Mais bon, c'est que je vais prendre des enfants qui m'aiment. Même les enfants de 2 ans, 3 ans, les enfants de 3 ans, ils arrivent à se brosser. Partagez la vidéo. La bouche, la partagez. Tu es chiqui la poupée ou bien. Donc, en Facebook, on est là. Amusement de Facebook, on fait les vidéos, on se clash, on fait les vidéos là. Donc, il y a des femmes qui sont requins sur la toile ici. Parce que chaque être humain a son animal. Ton signe zodiaque, c'est requin. Ah, en tout cas, attention. Regardez l'homme qui est dans la bouche là. Regarde l'homme là. L'homme comme cela là. Si tu as fait pipe un garçon là, tu en es chier. Chier de pile du gars là, tu en es pas chier. Ouais, je vous garde des avis peut-être. Il a pipé un garçon. Si ça a glissé, si ça a pris, ça enlève toute la chair en même temps pour aller. C'est toi, considère, tu vas venir nous insulter ma femme. C'est toi, là, tu vas venir nous insulter. Appelle à l'homme, maman. Requin. Regarde. Regarde tes dents. C'est pas soi ou bien. C'est dans tes dents là, en plan, pour filtrer sauce graine, pour filtrer sauce arachide. C'est dans tes dents en plan pour faire ça ou bien. Regarde dans les quelqu'un. Vous me regardez dans. Regardez dans. Regardez dans les quelqu'un qui me suit. Non, on ne peut pas regarder. Il faut t'entretenir au moins. Si les réseaux sociaux là, combien de personnes nous regardent sur Facebook? Des milliers de personnes nous regardent. Des personnalités nous regardent sur Facebook. Quelle est l'image que nous donnons aux personnes qui sont sur Facebook? Quelle est l'image? Regardez dans les quelqu'un qui me suit. Tellement les gens sont forcés direct, ils ont fait capture, ils ont fait mon bala. Regardez dans les quelqu'un qui me suit. Franchement, on ne peut pas regarder. Regardez dans. Tu fais peur, ma chérie. Je comprends pourquoi ce garçon n'a jamais dit avec moi. Parce que quel garçon qui va vouloir embrasser une femme et puis sa langue là passe au milieu de temps à fille, à fille, à fille, à fille, à fille, à fille, à fille. Tu es en train de faire dépassement d'autoroute.
C'est quel garçon qui va dire ça là? Tu vas présenter ta femme à tes amis, elle ne peut pas sourire. Elle est même à tes amis, elle est venue aussi en même temps. Parce que tout le monde n'est pas tout le monde. Tu ne peux pas chier. Si tu vois, tu vas chier. Prends dans de tes chars. Tu dis qu'il y a deux chars à la maison. Prends tes chars, faut que tu le plus proche, colle à la femme. Tu prends colle à la femme, tu colles dans les chars. Petit n'a pas le mal, hein. Au moins, sinon, on va te dire, petit, au moins, c'est à lui, au moins, mais dans les petit n'a pas le mal quand même, hein. Si tu as pris le propre brossé là, cette agence va te. Papi, tu l'es drôle là. Oui. Il y a sa manière de rire, c'est mort. Tu crois ta agence. Si tu as mis brosse dans la bouche, ça, t'es fou. Le jour tu mets brosse dedans, là. C'est plein de vous, tu vois. Parce que c'est un peu là. Parce qu'il n'y a pas d'homme. Mais c'est notre dos qui a menti. Ce qui fait que ça ne touche pas nos gencives. Mais si tu as mis brosse dans ta bouche, ça, là, sans te couper, là. C'est un film d'horreur, oublié. En tout cas, c'est Chiqui la poupée. On l'a démantribué le nom de Chiqui la poupée. Voilà, moi, Chiqui la poupée a titré ici. C'est bouille ça. Cette vague de Canada là, moi ici, Chiqui la poupée. Voilà ta Chiqui la poupée en personne ici. Regardez là. On dirait un vachette de clé. Petit n'a pas le mal d'air. Non. Comment garçon peut durer, toi? 35 ans, j'attends d'avancer. Tous les hommes viennent ici. Tous les hommes viennent ici. Mais qui va rester ça? Si on prend la femme même là. T'es l'angle là, j'ai vu en bas comme ça, il n'y a pas mon petit père. Deuxième jour du support, troisième jour là, tu vas pas mal. Qu'est-ce qu'il y a? Peut-être que tu embrasses une femme, comme si tu es en train de mettre ta langue dans un tunnel. Oui, il n'y a pas de tunnel. Parce que tu es comme ça, fia. Quand tu respires l'air là, je ne peux même pas compter même. Parce qu'il n'y a pas d'un pour mentir au moins, il n'y a pas dans ta bouche. Donc tout est filé dans ta bouche là, tout est pourri. Mais comment pourquoi tu souris pour aller en haut? Il comprend pourquoi tu souris pour aller en haut. Ah, c'est pas nous, on a dit. Il comprend pourquoi tu souris pour aller en haut. Aujourd'hui, la femme, les petites filles qui s'entretiennent, qui se maquillent, qui se font belles comme cela, là, pour les chéris, pour les gars, ou le mari même quitte au travail, même, il rentre à la maison, même là, il est content de rentrer parce qu'il va trouver sa femme. Mais quand ton mari quitte au travail, là, il a peur de rentrer parce qu'il se dit qu'il était la lunette nette, là. Voici, il doit être quelqu'un. Imagine le pauvre monsieur, il souffre, il quitte au travail, il arrive à la maison nette là. Il a peur de rentrer à la maison parce que dès qu'il ouvre sa porte nette là, il sait qu'il sera dormi un requin. Parce qu'à 9 heures, il va le voir. Qui sera dormi un requin? Parce que tu as des envies. Tu as foutaise, hein? Parce qu'il y a quelqu'un qui a bouche comme cela là, ça va normalement là. On doit te dénoncer à la police parce que tu es un criminel, tu es un danger même pour le monde. Tu es un danger pour le monde. Qui va faire par là avec toi? Il suffit que tu mordes la personne nette là. C'est tétanos. Tétanos. Il suffit que tu mordes la personne nette, c'est tétanos. Regarde l'angle là maintenant dans la bouche qui est large comme cela. C'est celle-là qui va venir m'insulter sur Facebook. En tout cas, c'est celle-là qui va venir me délivrer sur Facebook. C'est celle-là qui va venir parler de moi matin, midi, soir. Ah, pour tout le gros, ah, pour tout le gros porc, ah, pour tout le menteur, ah, pour tout le ceci. Mais ah, pour tout là, il a 32 dents. Toi, tu as 14 dents en haut. Et puis, tu as. C'est qu'il y a 6 petits dents. Bon, on va passer sur la partie des dents là. Il parle trop sur dents là. Bouge, c'est pas mal. Tu fais peur. Aucun homme ne peut durer avec toi si tu fais peur de la sorte. Moi, je quitte le travail. Je m'en vais souffrir de travailler. Je rentre à la maison le soir. Je vais voir ma femme. La soulever, la mettre ici, l'embrasser avec moi. Et Judas! Moi, tu oublies de souffrir de travailler. Il sait bien ton cas. Donc, il n'a pas besoin de parler. Ton sourire, son mal net. Il sait bien où il doit t'envoyer. Pas tes prescrits, ordonnance, premier TGV. Tu vas direct à quand? Quand tu arrives à la lettre là, les mots là sont là. En fonction de ta bouche là, ils vont voir. Tu peux aller à toi. Tu vois, ils vont voir le mot qui est là. En fait, ta bouche, parce que tous les mots là sont alliés. Ils sont là, c'est la bouche au moins qui est là. Ils vont enlever au moins
Bon, il y a 14 ans où. Normalement, l'homme a droit à 32 ans. Il y a 14 ans où déjà. Mm-hmm. Donc, si tu avais déjà 14, dans 30 déjà, ça reste 26. Puis, madame, vous avez quoi? Vous avez pris rendez-vous? Toi, ton cas, tu n'as pas pris rendez-vous. C'est un cas qui. 3275 à Abidjan, a pris 5 euros. Tu éclates ça bien, puis tu mets un peu de sel. Chaque matin, tu as des talents, tu tires ça, tu masses, tu masses. Bon, c'est quand ça va devenir long, mais ça ne sera pas large. Tu viens voir, pas long. Bon, franchement, c'est quand même, c'est dans mon conseil, quoi. Il ne faut pas mal prendre. Parce que dans la vie, on dit c'est l'homme qui t'aime qui va te dire la vérité. Bon, franchement, c'est quand même, c'est dans mon conseil, quoi. Il ne faut pas mal prendre. Toi, mais regarde, hein? Comment elle s'appelle la même? La plus belle, une jolie femme comme ça, il y a son thème de Yamin là-bas. Elle est claire comme ça. Il est bien, il a pas un peu bon. Femi Matouré. Toi, mais regarde. Toi, mais regarde, dans ça. Si elle ne masse pas ça, si elle ne masse pas ça, qui va? Qui va? Et le Mistral gagnant. Excusez-moi. Qui va embrasser ça? Toi, mais regarde. Depuis que tu es né là, tu as vu l'un qui a fermé. Il n'y a pas petit espace dans la bouche, mais où vent peut rentrer. Quand elle fait sortir sa langue derrière, elle cache, elle cache dans la bouche. Là. Bouche où vent peut rentrer. Toi-même, il faut essayer là-bas. Comment ça fait la même? Toutes les filles qui sont en train de regarder vos bouches. Elle cache, elle cache. Essayez de prendre vos langues là pour fermer tous vos gorges là. On va voir si ça peut se faire. Ça ne peut pas se faire. Elle est la seule ici, elle est sur la tête ici. Et chaque année de plus au moins là, ça ferme tout dans qui en bas. Il est amour. Petit dent qui reste là. Ok. Ça c'était pour Aquaman. Il y a beaucoup de vidéos de petits là ici. Ta maman au lieu d'aller porter plainte aux gens là. Hein? On va écouter ici une vidéo. Après là, les gens qui vont venir après moi regarder le direct. On écoute un peu la musique, je commence. Mettez les deux. J'aimerais aussi m'adresser à Edossi Yao. Edossi Yao, j'aimerais te dire. Peut-être par ton ajustement, tu penses que tu fais fier la Côte d'Ivoire ou que tu rends la Côte d'Ivoire fière. Mais j'aimerais te dire. Tous des bandes hypocrites. Voilà. Je ne sais pas si ton cœur s'est devenu comme OLG. Tous des bandes hypocrites. Ils sont là, ils se suivent. Vous avez oublié, vous partez. Vous avez oublié, vous partez. Parce que j'aimerais te dire. Si peut-être tu ne le sais pas, c'est à toi, la voix Ami Bambara devait dire, ta musique donne envie de se suicider, c'est à toi qu'on dit ça. Mais malgré ça, là, nous on te soutient en tant que Dieu avec toi. Aujourd'hui, là, tu te lèves juste à cause d'un buzz, juste parce que tu cherches, non, juste parce que c'est quelle gloire tu cherches, c'est quelle gloire tu n'as pas encore eu, c'est quelle célébrité toi tu n'as pas encore eu, c'est quel nom tu n'as pas encore eu dans le showbiz là. Et puis tu es obligé de partir jusqu'à Guinée pour aller prendre quelqu'un pour venir créer le buzz. J'aimerais te poser la question. Je vais dire contre la Guinée, qui? Moi je vous aime bien. On dit que ton papa c'est un Guinée. La Guinée, la Côte d'Ivoire, nous sommes pétrés. Drissa, Drissa. Je suis obligé de prendre parti. Mais j'aimerais te poser la question. Le monsieur qui est là, le monsieur qui a arrêté là, le monsieur qui est là, c'est que tu as fui ton Côte d'Ivoire. Tu n'as pas vu quelqu'un avec qui tu pouvais payer buzz. Tu es parti jusqu'à la Guinée. Ce monsieur qui a approché ici, là, qui a approché à tes fesses là, qui a approché à tes fesses là, là-haut. J'aimerais te poser la question. L'homme qui a arrêté là, on prend tes fesses là, on ouvre comme cela, avec tout le respect qui te doit. On ouvre comme cela. Et puis on le met au milieu et puis on ferme. Ah! C'est qu'il devient comme un rangeoir, il va se perdre dedans. C'est un bloc. C'est comme un peu de partout, partout. C'est lui là, tu es en train de te promener, elle est lui partout, partout là. Tu penses que tu es en train de. On va rester pour ce soir aujourd'hui. On va laisser comme ça pour ce soir là. Demain encore, je suis là, Inch'Allah. Vous commencez, je termine pour vous donner. Je vais vous rappeler toutes les vidéos que vous avez faites. Puis vous pensez que vous avez supprimé. Les injures que vous avez dites dans vos vidéos, là, hier, ramenez ça ici. Si vous, on ne vous a pas porté plainte là, ne portez pas plainte en face de quelqu'un ici. Si vos injures que vous avez dit aux gens ici là, si on n'a pas porté plainte contre vous là, voilà, on ne doit pas porter plainte contre quelqu'un ici. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. C'est-à-dire, quand c'est vous, là, on doit laisser. Quand c'est les autres, là, non, faut pas laisser. Ce que Ploplono a dit à ta maman, là, ici, là, c'est plus grand même que ce que Yaka Yaka a dit. Mais il a eu le courage de s'asseoir pour demander pardon. Et vous, vous êtes des bandits pour que vous vous suivez comme ça, moutonnerrement.
les chiens galeux comme ça, les wow wow. Je n'ai qu'à entendre mon nom dans la gueule de quelqu'un encore. Je n'ai qu'à entendre mon nom dans la gueule de quelqu'un encore. Vous allez comprendre. Restez là pour vous dire que c'est moi que vous allez venir donner conseil. Vos conseils, la prenez ça, vous foutez là où je pense. Je n'ai pas besoin de vos conseils à la con. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vous qui m'avez mis au monde. Non, parlons peu, parlons. C'est vous qui m'avez mis au monde. Et puis vous allez venir me donner conseil. Je n'en ai rien à foutre de vos conseils. Oui, tu es trop fâché. Ouais, si vous êtes trop fâché là, sautez et puis calez. Ouais, déposez votre caméra, on s'est clashé dans la paix du Seigneur. Vos conseils, vos conseils. Vous étiez où quand petit a insulté maman, papa des gens. On ne vous a pas vu venir lui donner des conseils. Hein. Non, on ne vous a pas vu. Hein. Vous n'étiez pas là à ce moment. Quand on s'attaque à vos soi-disant personnes, là on vous voit maintenant venir faire vos directs à la con que c'est un conseil que vous voulez donner aux gens. Je n'en ai rien à foutre de vos conseils. Chacun joue son bloc comme bon le semble. Si Rougite Bleu, Rougite est trop fâchée là, elle n'a qu'à sauter et puis caler en l'air. Voilà. Elle n'a qu'à dire qu'elle n'a jamais envoyé quelqu'un de m'attaquer. Elle n'a qu'à dire ça. Elle n'a qu'à dire, et puis Madame Akuna, sa bouche, on dirait entonnoir là. Elle n'a qu'à dire qu'elle n'a jamais envoyé quelqu'un pour m'attaquer. Elle n'a qu'à dire ça. Elle n'a qu'à dire qu'elle n'a jamais donné mon numéro à quelqu'un d'appeler mes parents. J'ai les preuves ici. Il n'y a maudit bien qui c'est Madame Akuna. C'est moi qui dis ça. Il n'y a maudit bien qui c'est Madame Akuna. Faut venir dire que tu n'as jamais donné le numéro de mes parents à quelqu'un pour appeler. Je sais qui vous êtes. Vous pensez que moi, je vais vous laisser quoi? Si je vous ai laissé, c'est que je suis bâtard de ma famille. On va aller là où vous voulez qu'on aille. Il n'en a rien à foutre. Votre interpol là, ça va venir me soulever dans ma maison et puis m'amener à Abidjan. Il y a un mourant, des salaka, des blagues, t'as tchèlé le mou. C'est vous allez venir garant les gens sur la toile ici. Il y a une bâtard comme ça, sale chien de Madame Akuna. Ne m'énervez pas ici, hein. Ne m'énervez même pas ici. Jouez-moi. Il fait semblant à vous, hein. Quand il vous prend là, vous n'avez pas quoi. Moi, il n'insulte pas l'intimité de quelqu'un parce que c'est une femme qui m'a mise au monde. Oui, mais vérité, il vous dit ça, ça rentre dans vos oreilles. Quand vous faites sortir des bâtards comme ça pour venir m'insulter là, insulter mes parents là, mes parents vous ont fait quoi? Mes parents vous ont fait quoi? Vous pouvez pas vous attaquer à moi. Hein? C'est mes parents qui ont été insultés. Vous envoyez les gens pour insulter mes parents. J'ai la preuve de ça. Wallahi bilay talay. J'ai la preuve de ça. La personne même en train de dire qu'on m'a dit d'insulter les parents de Kadi. La personne est en train de dire qu'on m'a donné les numéros des parents de Kadi de les appeler. Comment vous pouvez être méchant jusqu'à ce point? Mes parents vous ont fait quoi? Mes parents vous ont fait quoi? Ça dit moi-même là, vous ne m'en voyez plus. C'est mes parents, vous allez l'attaquer, mes pauvres parents qui n'ont rien demandé. Toi, tu me dis de famille ma sale bouche. Hé, Djaouladi, il bien qui s'est les mains dans ta vie. C'est ton fond pourri là qui est fermé dans la paix du Seigneur. Ton concubin là qui sent mauvais, c'est ça, il est fermé, Patricia. Il n'y a mouroudé pas. Hé, faut pas faire. Faut pas faire. Hé, t'as mouroudé, sale chienne que tu sois. Ta Madame Akuna, son bâtard, c'est moi qui dis ça. Ta Madame Akuna, son bâtard, 10 000 fois, c'est moi qui dis ça. Et puis, chocolat bouge, après moi, il dit chienne, c'est moi qui dis ça. Madame Akuna, chienne, bleu bouge, chienne, c'est moi qui dis ça. Voilà. Faut aller te plaire là où tu veux, c'est moi qui dis ça. Quand vous envoyez vos bâtards pour aller insulter mes parents là, je parle. Quelqu'un n'a qu'à sortir pour dire fier les. Tu as fait ton loup poste sur ta page, non? Chocolat Brigitte. Ton loup poste que tu as fait sur ta page, j'espère que ça ne me vise pas. Hein? J'espère que ça ne me vise pas. Si tu es femme, que tu es née d'une femme là, faut aller écrire Kadi sur ta page. Je te dis ça, chocolat bougie. Si tu es femme, que tu es née d'une femme. Si tu n'as pas gâté Facebook ici, tu as changé mon nom. Si tu es femme, que tu es née d'une femme là, faut aller écrire Kadi. C'est de toi que je parle. Tu vas apprécier dans la paix du Seigneur. Tu n'as pas quoi. Tu vas apprécier dans la paix du Seigneur. Tu n'as pas quoi. Vous pensez que moi, je viens m'asseoir ici pour parler parce que j'ai envie de parler. J'ai les preuves. Quand vous faites sortir vos moutons là, pour venir m'insulter mes parents là, là, il n'y a personne pour venir vous les donner conseil. Hein? Attaquez-vous à Kadi, mais laissez sa famille. Il n'y a personne pour vous dire ça. Vous les donnez des leçons là. Là, on ne vous voit pas pour les appeler, pour dire non, attaquez-vous à Kadi, laissez ses parents. Même hier, votre vache de Canada, là, elle a insulté mes parents. Là, je n'ai pas vu Francine Bat déposer sa caméra pour l'interpeller. Francine Bat qui se prend pour maman a trop parfaite là. Faut pas faire ça à monter dans ma tête. Hein. Faut pas faire ça à monter dans ma tête. Faut enlever pour toi dedans. Avec tous les respects que j'ai pour toi. Faut enlever pour toi dedans.
Plus jamais tu as déposé ta caméra encore pour dire que tu vas me donner un conseil devant les gens. Plus jamais tu veux me donner des conseils, tu as mon numéro, tu rentres dans mon téléphone, dans l'appel du Seigneur, tu me donnes des conseils. Mais il ne faut plus t'arrêter devant tout le monde que c'est toi, Jean, tu veux me donner un conseil. Quand cette vache de Canada a insulté mes parents hier là, tu ne vas pas me dire que je n'ai pas dit ça. Hein? Parce que ça t'arrange. Là, tu n'as pas besoin de déposer ta caméra pour dire non, attaque-toi à Kadi, mais laisse ta famille. Tu n'as pas fait ça. Tu n'as pas fait ça. Tu aimes tellement donner un conseil aux gens. Tu aimes tellement venir donner une leçon. Tu aimes tellement donner un conseil aux gens là. Je t'ai pas vu déposer ta caméra pour l'interpeller. C'est notre Dieu, on n'a qu'à s'insulter ici. Depuis que si vous êtes ici la toile, vous m'avez déjà vu déposer ma caméra et insulter maman, papa de quelqu'un ici. Vous m'avez déjà vu faire ça. Vous m'avez déjà vu faire ça. Venir insulter, intimider des papas ou des mamans de quelqu'un ici. Vous m'avez déjà vu faire ça. Mais toujours, c'est mes parents qui sont en train d'insulter. Là, je ne vois personne pour dire non. Attaquez-vous à Kali, mais laissez sa famille. Je ne vous vois pas. Hein. Maintenant, quand moi, il est venu m'asseoir seulement pour titiller vos soi-disant personnes. Là, je vois les vidéos partout. Hein? Qu'est-ce que sa maman t'a fait? Laisse sa maman. Et cette plomb qui est rentrée dans ses entrailles et puis sortie là. Vous étiez où? Je n'ai qu'à voir quelqu'un encore dire mon nom sur la toile ici. Vous êtes qui même? Quand vous restez à votre place de respect. Hein? Restez à votre place de respect. Si c'est classe aussi que vous voulez là, où on a déposé, on va reprendre ça là, et puis on va partir ça dans la paix du Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Tu es à Bougolais, je suis à Bougolais, non. Tu es Zigéi, je suis Zigéi. Où on a déposé là, on va prendre ça dans la paix du Seigneur. Ta vidéo que tu as fait hier là, ça c'est une hypocrite qui fait ça. Quelqu'un qui est hypocrite là, c'est comme ça on se comporte. Ta vidéo n'avait pas lui quoi. Oui! Parce que tu es venu me jeter à la vertu populaire. C'est de ça qu'il s'agit. J'ai pas aimé. J'ai pas aimé aujourd'hui, je n'ai pas aimé. Maintenant, mes paroles là, si tu veux, faut prendre ça en bien, faut prendre ça en mal. Je n'ai rien à foutre. Du moment que tu es venu me jeter à la vertu populaire là, respect là, tu es dans mon visage comme ça. Et puis, il te regarde et puis il te dit la vérité. Tu es nouchi, non? Tu es d'abobo, non? Je suis d'abobo. Faut déposer ta caméra. Où on a déposé, on a reprendre. Mais tu me laisses d'abord m'occuper de ta soi-disant marraine là. Tu me laisses d'abord m'occuper de ta soeur, les gens m'arrêtent. Vous voulez me détourner de mon chemin. Sans. Tu as fait 10 vidéos, je te récupère quand il veut. Parce que toi, quand on te pique sur le mat, tu cours pour sortir. Parce que toi, tu penses que tu es en train de devenir jeune. Tu penses que tu es en train de devenir jeune. Voilà. Parce que toi, tu es comme ça. Quand les jeunes, les personnes, sont, les gens sont en bas là, tu viens, tu ajoutes pour toi dessus. Il ne faut pas faire ça. Ça, c'est être lâche. Quand c'est chaud sur quelqu'un là, toujours tu sors, toujours pour venir t'attaquer à cette personne. Parce qu'avant, tu en as une autre petite, oh, mon nom était dans la bouche des gens, tout le monde sur la toile. Tu n'as même pas pensé que Kadi est déjà à terre. Attends, je vais rentrer dans son téléphone pour la parler calmement. Tu as venu déposer ta caméra et ta robe, on dirait que tu es parti, partait dans le funérail, je ne sais pas qui là. C'est toi qui as venu me donner conseil devant les gens. Quand on vous respecte, respectez-vous. Hein. Quand on vous respecte, respectez-vous. Tu as mon numéro, toi et moi on a parlé, tu as dit qu'il ne faut plus en se clasher. J'ai dit toi aussi, il ne faut plus me clasher devant les gens. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on rentre dans les téléphones. Si la hier, avant-hier, je parlais de Cendrillon de Zaounien ici là. Si je me suis trompé pour jouer tes voix ici là, ça t'a blessé, tu t'as écouté quoi de m'appeler pour dire ah ma petite c'est que je te présente mes excuses dans la fête du Seigneur. Toi tu es une grande soeur, c'est que toi tu ne connais pas moi la petite là. C'est que moi je ne connais pas là, toi tu es censé connaître parce que tu es plus âgé que moi. Tu as plus d'expérience que moi. Mais comme vous voulez venir faire du aide-moi à détester, tu es venu faire ta vidéo, toi-même, il faut aller revoir ta vidéo. Tu ne savais même pas quoi dire. On dirait que tu étais obligé de venir donner ton point de vue sur la toile. Quand je te respecte, il faut rester dans le cadre du respect. Ta marraine, je n'en ai rien à foutre d'elle. Ta petite soeur, ta soeur, je ne sais pas si vous êtes des voisins et des voisines dans votre village là-bas, je n'en ai rien à foutre d'elle aussi. Laisse-moi faire mon combat avec eux, je n'ai pas encore dit ton nom. T'as compris? Laisse-moi faire mon palabre. Je n'ai pas encore dit ton nom. Maintenant, si tu veux venir faire les palabres là, il danse et Namekou. Sois la bienvenue, Namekou. Oui, oui, oui. C'est vous qui êtes toujours les premiers à provoquer les gens. Ça, tu m'as provoqué. Tu penses que tu faisais bien comme ça. C'est pourquoi je t'ai posé la question dans ton direct. C'est quoi le direct? Le direct là, c'est pourquoi? Je t'ai posé là, c'est pourquoi? Tu as dit si il y avait des venus te répondre. C'est ma réponse qui est là. Hier, il te donne aujourd'hui, encore, il te donne. Voilà. Tu me laisses faire mon palabre. Parce que les gens qui sortent pour insulter ma mère là, pour insulter mes parents là, c'est les deux femmes là qui sont en bas. Je vais vous faire jouer les voix ici. Les gens vont prendre les balles perdues. Vous allez faire, je vais jouer les voix ici. Les gens vont prendre les balles perdues.
comme on peut être méchant comme ça? Ma pauvre maman qui vous a rien demandé. Rien, même pas sur Facebook. Même pas sur Facebook. Vous allez aller l'insulter, insulter mon père. De toute façon, vous aimez vos parents, là. C'est comme ça aussi j'aime mes parents. Kadi va chier au bord, si tu peux faire quoi, à qui, n'importe quoi. Ok. Toi-même va chier. Vieille qui ne connaisse pas sa place. Toi-même va chier. Une vieille qui ne connaît pas sa place. Francine, va chier là où tu veux. T'as compris? Va chier, ta marraine aussi, elle a qu'à aller chier, mais au bord de la lagune de Ma. Ma, mais il a fabriqué de la lagune à Ma là-bas. Ta marraine a deux balles, oui. Ta marraine a deux balles. Faut venir, tu peux y être bloqué. Ta marraine a deux balles. Tu penses que tu as venu parler, puis elle dit que ta madre, toi tu es madre de qui, mais c'est répondu madre. Toi tu es madre de qui même? Va te faire foutre, oui. Va t'occuper de ton mari. Va t'occuper de ton mari et de tes enfants. Moi, si j'ai ton âge là, sur Facebook là, je ne vais pas venir me mettre dans tout n'importe quoi. Je vais m'assager et puis m'asseoir tranquillement. Je suis en train de faire mon problème. Hein? Lupita de Maille, dit ton nom. Parlons, peu, parlons, j'ai dit ton nom. Tu as fini de gérer ton problème hein, avec ta caméra là où son créa. Espèce de peureux que tu sois, il t'a lancé un défi, il t'a dit. Faut venir dire que tu n'as jamais dit que les lèvres de Jessie t'excitent quand tu le regardes. Tu n'as pas relevé ces dividendes, tu la fermes quand les bonnes personnes parlent. Je ne peux pas être dans un foyer et puis fantasmer si garde quelqu'un. Je ne peux pas être dans un foyer et puis fantasmer si garde quelqu'un. C'est je suis maudit ou bien. Non, parlons pas, je suis maudit ou bien. C'est toi, ta bouche là, qui allait dire à propos nous que moi j'ai exagéré à faire de l'Amazon là, que je ne suis pas marié. Je ne suis pas marié, mais je vis mieux que toi. Parce que toi, on voit que tu es malheureux dans ton foyer. Viens te récupérer, t'inquiète pas, il ne faut pas ménager les choses. Viens te récupérer, Francine, bah, t'as pas quoi. C'est toi, tu es malheureux dans ton foyer, quand il n'y a pas reste. Viens ici encore. Mes assises vont te faire ça propre dans la paix du Seigneur. Tu ne te connais pas, hein. Tu ne connais pas ta place, perdu que tu sois. Tu sautes ton défi en fille sur Facebook. Tu n'as pas honte. Tu sautes ton défi en fille sur Facebook. Aujourd'hui, c'est Aya qui a soulevé. Demain, c'est Aya qui a soulevé qui encore. Tu as mis ta propre nom où ça? Tu as mis ça, ta sang dans la où ça? Regardez-moi une vieille perdue comme ça sur la toile. Toi aussi, tu as venu t'asseoir que moi, que va chier. Il y a chier au bord de ta grosse bouche, ta grosse bouche là. Francine, bah, je vais aller chier au bord de ta grande bouche là. Qui te sert de bouche. Je vais aller chier au bord de ta. Oh, toi quoi? Toi. Je vais aller chier au bord de ta grosse bouche là. Qui te sert. Regardez-moi une femme comme ça. Je t'ai appelé ici. Je t'ai appelé. Je suis en train de régler mon problème avec Papitou, la maman de Papitou et puis Papitou, qui était Papitou, lit, c'est un blogueur, attaque Ali, c'est le game. Elle est dans le game. Elle est dans le game. Quand c'est chaud, elle se passe pour la victime. Tu as venu t'asseoir, tu dis qu'on a qu'à te porter plainte, on a qu'à te porter plainte, quand on te porte plainte là, c'est nous, on va faire mal. Faut te calmer, ma chérie, faut gérer tes problèmes. Si on me porte plainte, il est géré, faut enlever ta bouche dans mes affaires. T'as compris? Si on porte plainte contre moi là, si je suis coupable là, il y a nous aller pour la capitale. Tu penses que toi tu vas venir t'asseoir là pour te passer pour une seule touche. Tu t'es clashé avec tous les enfants sur la toile ici. Une femme qui n'a même pas honte. Tu es dans le foyer et puis tu es en train de fantasmer sur gaga de quelqu'un. Tu fantasmes sur Jessie J. Tu fantasmes sur les lèvres de Jessie J. Je t'ai lancé un défi. Tu as mis Bimaki même. Et là, une idiote comme ça, tu as mis Bimaki. Tu es toujours comme ça. Quand les gens sont à terre, là, c'est là que tu viens. Quand les gens sont à terre, c'est là que tu viens. Ça passe pas, hein. Tu n'as pas dit que tu ne connais pas ta place. Viens te donner ta place dans la paix du Seigneur. Une maman qui ne connaît même pas sa place. Tu sautes de fille en fille. Si ce n'est pas Geneva, c'est Sita. Si ce n'est pas Sita, c'est Akissi. Tu vas prendre tout maintenant après Aya. Tu es toujours là pour cogner tes déjà. Hé, Monica, l'impacteuse. Non, tu impactes les gens vraiment. Ton nom te va si bien. La cogneuse de tête. La déclamant. Ouais. C'est ton nom, tu mérites ce nom-là dans la paix du Seigneur. Oui, l'adieu pour la main. Tu mérites ce nom-là. Une cogneuse de terre va. Tu pars tout ton temps à cogner tête des gens. Regardez-moi ça, tu penses moi il y a peur de toi, quoi. Tu penses il y a peur de toi. Tu ris, va déposer ta caméra. Tu penses quoi? Tu vas écouter les Jésus que j'ai te dit. Que tu m'as traumatisé. Là, il a la moindre soulaï. Quelqu'un que tu as traumatisé là va venir te parler comme ça dans la paix du Seigneur. C'est toi qui es traumatisé, oui.
Je t'ai lancé un défi. Il faut venir dire que tu n'as jamais dit que quand tu es l'élève de Dieu, si Dieu qui t'excite, tu vas ramasser tes bagages pour aller chez tes parents. Idiote, femme indigne comme ça. Tu es dans le foyer et puis tu fantasmes si garde quelqu'un. Mon homme, mon ribali flé. Mon ribali sigili flé. Toi, tu as venu t'asseoir ici pour dire que tu as venu me donner. Toi, tu as venu t'asseoir ici pour me dire que tu as venu moi me parler. Quand tu me parles avec le respect parce que tu ne vaux pas ma mère. Tu as 47 ans, non? On ne sait même pas si tu as fait souple les pieds. Parce que quand on regarde ton mari, on sait que toi, tu es plus âgé que gars-là. On n'a qu'à se dire la vérité. Tu es là, tu le sapes dans. Tu le sapes, tu le prends comme une marionnette là. Il est là derrière toi aussi. Tu le sapes, on dirait pas baratapa. Quelqu'un qui est heureux dans son foyer là n'a pas besoin de lui montrer à chaque fois son mari. Et chichi. Tu ne vois pas là où son créa. Quand son mari est là comme ça, il ne veut même pas qu'on le voit sur caméra. Oui, c'est ça, on dit une femme qui est heureuse dans son foyer. Et toi, tu veux toujours brandir le pauvre homme. Il ne veut même pas sortir dans la caméra. Tu es toujours là, tu mets la caméra sur lui. Le pauvre. Hein? Tu es toujours là, tu veux forcément que le gars là soit dans la caméra. Tu es là, tu te la joues. On dirait que toi, maintenant tes seins sont sortis. On dirait que maintenant c'est tes seins sont sortis. Hein? Hé, hey, j'ai loupé. Francine va, j'ai loupé. J'ai eu travail. J'ai loupé. C'est de ça qu'il s'agit, j'ai loupé. En tout cas, tu penses que tu peux me dérouter de mon chemin. Tu vas me laisser m'occuper de ta soi-disant marraine là. Tu vas me laisser m'occuper de ta soi-disant marraine, puis je te récupère. Tu fais vidéo, je te récupère pas les yeux. Une maman qui se fait pas respecter, tous les jours les enfants viennent te dire ce qu'elles pensent. On vient s'asseoir, on te dit tout ce qu'on pense. Et puis après, là, maintenant, on te demande pardon, tu n'es pas fatigué. Non, parlons vrai, tu n'es pas fatigué. Quand on veut parler un peu seulement ton français, mon français n'a rien ici. C'est qu'est-ce que tu comprends ce que je dis? Cochia, Babiano, c'est moi qui dis ça. Ça ne choque pas. Il faut connaître ta place. Si tu ne connais pas ta place, on te met à ta place dans la paix du Seigneur. Tu es frère qui m'aime, Joe. Tu es dans Bobo, je suis dans Bobo. Tu es Nouchi, je suis Nouchi. Ton artiste préféré, c'est Mimi. Mon artiste préféré, c'est Mimi. Amekun. On va se laisser dans la paix du Seigneur. Toi, tu peux être frère qui m'aime, Joe. Non, parlons, mais tu es frère qui? Toujours là, en train de mettre du feu, en train de mettre l'huile sur le feu. Toi, tu t'appelles maman, toi, une mère indigne comme ça. Une maman qui va aller raconter à sa copine, mon enfant, là, je suis allé le tuer, sa mère était dans son calissant, il était en train de jouer avec son kiki. J'ai peur. Là où son elle est, c'est qu'elle est, mais c'est une go qui ne ment pas. Là où son elle est, c'est qu'elle est, c'est une go qui ne ment pas. Oui. Là où son est mieux que vous tous. Vous les soi-disant mamans qui nous fatiguent sur la toile là. C'est une femme qui dit la vérité. Voilà. Elle n'est pas comme vous, elle n'est pas hypocrite comme vous. Hein. Là où son n'est pas hypocrite comme vous, hein. elle assume. Quand son mari vient comme ça là, elle ne veut même pas qu'on le voit. Il regarde les yeux. Mais toi, le gars même ne veut pas sortir dans la caméra. Tu es là, tu braques la caméra. Avec ton muscle là, je suis assise ici. Maman n'a plus l'œil de foutu de 5h du matin. Ça c'était pour toi. Si tu es trop fâché, va déposer ta caméra. Je te réponds quand je veux. C'est de ça qu'il s'agit. N'importe quoi. Faut parler dans la vérité. Faut pas venir mentir ici. Hein. Le défi là, faut relever. Faut relever le défi. C'est ce que je t'ai dit. Tous les défis que tu m'as lancés là, j'ai relevé. Voilà, je suis sans filtre. Espèce de produit, moi là. Tu as mis le janzan. Regarde tes coudes. Produit n'a pas pris. Une vieille comme toi, tu peux même pas garder ton teint naturel. Tu t'en mets janzan. Tu t'en mets produit. Tu luttes avec qui? Mais ça, c'est un produit qui t'a sauvé. Toi, tu penses que tu es une belle femme comme ça. C'est un produit. Quand une vilaine femme met un produit sur elle, là, elle devient belle. Ça, c'est pas faux. Quand une vilaine femme met un produit sur elle, là, elle devient belle. Faut rester naturel. Comme tes camarades femmes, là. Comme moi-même, d'ailleurs. Faut pas venir mettre un produit sur toi pour venir nous masquer ici. Elle est petite, tu penses que quoi? Mais tu dis ça, tu es douce, tu me vois dans la Facebook, que qui est dit, que fin. Il dit, tu es douce, tu as été coupé, tu es là. Mon langolo, mon préparé, mon blalangolo, flémité. Hein? Regardez! Tu te ridiculises. Je suis en train de t'insulter ici comme un poisson pourri. Tu es en train de me commenter à la con ici. Va t'occuper de ton chéri qui est revenu du boulot. Le pauvre policier. Quand il est là même, c'est sa tête ailleurs. C'est quelle femme que j'ai mariée comme ça là-même. Elle est vieille, c'est pas qu'elle est vieille. Moi là, à ton âge, là, je ne serai pas sur Facebook, Inch'Allah. Je vais rester là, m'occuper de mon mari. Hein? Bébé, tu veux quoi? Bébé, tu veux qu'on casse les pétous? Je serai là, m'occuper de mon mari. À ton âge, là, je ne serai pas sur Facebook.
Je vais m'occuper de mon mari dans la paix du Seigneur. Mais toi, tu t'en vas bientôt dans 50 ans. Mais toi, tu es encore sur Facebook en train de discuter avec tes soeurs. On peut faire ça, Adama. On peut faire ça. Je t'ai demandé d'aller publier, d'aller mettre ma photo sur ta page. Je t'ai demandé ton Jailia là. Tu as fait ça pour me jeter à la vérité populaire. Tu sais que toi et moi là, c'est chien et chat. Mais ton Jailia là, tu allais poster ma photo sur ta page pour que les gens viennent m'insulter. C'est ça? Je t'ai demandé quelque chose. Jaili, non, fils, c'est Fana, Blanorona. Tu as fait exprès pour aller mettre ma photo sur ta page là, pour que tes abonnés viennent m'insulter. Tu sais très bien que tes abonnés et moi, ça passe pas. Pour que tes abonnés viennent m'insulter. Maintenant, tu vas venir sortir maintenant pour te jouer les scènes les touches. Hé, n'incitez pas Kali, hein, c'est le but, c'est ce que tu voulais. Toi et moi, il y a telle affinité, puis tu vas aller porter ma photo pour lui déchoter. Sans toi, toi me souhaiter joyeux anniversaire, je n'ai pas fêté mon anniversaire. Jaili Mousso, il t'a demandé quelque chose. Ça, c'était pour toi. Mes amis, je vous aime, prenez soin de vous, je fais de gros bisous. Pour fiasse que tu sois.